Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce qui se passe dans cette convention citoyenne pour l'Occitanie? D'accord, alors moi je m'appelle Ahmed, je suis un néo-cévenol, hein. Je viens d'habiter à Bar-des-Cévennes depuis quelques mois, j'arrive de la région parisienne, je suis en Occitanie depuis 3 ans et j'ai été convié ici et je trouve ça particulièrement intéressant et très original. Il se passe quoi? Alors en fait, il se passe pas mal de choses très intéressantes, beaucoup de personnes qui donnent des idées, qui partagent ce qu'ils ont vécu et qui essayent d'apporter quelque chose d'intéressant justement à la région et aux habitants de la région. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça me touche particulièrement. Je viens de m'installer avec ma famille, je suis en ruralité dans un petit village et je vois des gens qui proposent des choses intéressantes au niveau du transport, au niveau de l'agriculture, au niveau du bio. Et il y a pas mal de choses particulièrement intéressantes, je me répète. Après la convention citoyenne pour l'Occitanie, là, vous remettez un avis et il va y avoir une votation. Est-ce que vous avez un message à adresser aux citoyens à l'extérieur, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas été tirés au sort, mais qui peuvent suivre la convention? Qui n'ont pas eu l'honneur de participer. Moi, j'inviterais les citoyens, il faut qu'ils sachent déjà dans un premier temps que tout ça, on le fait vraiment sérieusement et avec sincérité. On n'est pas drivé ou dirigé, chacun apporte réellement son idée. Après, elle est intéressante ou pas, c'est une autre histoire. On essaye tous d'avoir des idées par rapport à nos familles, déjà dans un premier temps, par rapport aux villageois qui habitent notre village, et puis par rapport à toute l'Occitanie. Et c'est des choses qui ont un intérêt à peu près pour toutes les personnes qui sont ici. Et je veux dire encore une fois, c'est des idées qu'on a eues nous-mêmes. Et on les a eues en pensant justement à tous les habitants de l'Occitanie. Elles ont un intérêt pour nous comme pour eux. Merci. De rien.